bonne cause. J'ai pas vu que tu étais déguisé. Ça va? Je croyais que c'était un postier. Non, non, en fait, je suis désolé parce que je cherchais un déguisement de policier. Mmh. Comme toi, tu joues dans les Gardiens de l'Ordre. Bah oui. Et puis, en fait, je suis allé chez le costumier. Et c'est un peu un costume de stripteaser. Ils ont mis la cravate et tout. Ouais. C'est... Non, c'est vrai, regarde. Et les gars, vous êtes en état d'arrest. C'est bien. C'est... Moi, je vais me mettre comme ça. Ouais, bah c'est plus... ça change un peu. vous êtes prêts, là? Oui. Oh, bon alors, Omar et Fred, bonjour. 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 Alors, vous êtes deux personnes qui faites du cinéma et de la télévision. Pourquoi pas? Oui, bonjour. Alors vous êtes... Bonjour. Enfin, je vais continuer, parce qu'il ne faut pas... Pardon, excusez-moi, monsieur. Alors vous êtes un duo. Enfin, vous êtes deux, quoi. Ouais, ça, Fred. Ouais. Enfin, oui. Presque deux. Oui, ça dépend. Comme Black et Decker. Oui. On peut dire qu'ils ont percé. Oui, c'est pas mal. C'est bien. J'aime beaucoup. Ouais. Et on peut dire aussi qu'ils ont du vice. Oui. Je suis content de vous le voir, en tout cas. Tiens, le Lego que tu as fait, c'est un film où tu joues, Omar, vous jouez, Omar Sy. Oui, Omar Sy. Omar Sy. Omar Sy beaucoup. Voilà, c'est ça. On a déjà dû... Non, jamais, c'est la première fois, c'est excellent. Et moi, j'y vais fort sur les blagues. Et crois-moi, c'est rigolo comme tout. C'est rigolo, ouais. Parce que je sais que vous êtes deux humoristes. Le film, il a été tourné avec plusieurs caméras. Tire le Lego, il est... Tire l'arigo. Il sort le 28 octobre 2009. Ouais. Bon alors, Black et Decker, on peut dire qu'ils ont percé. Non, je leur fais pas, c'est là, non. Non, c'est déjà fait, ça. Oh, c'est pas mal, quand même. Oui, mais c'est déjà fait. On peut la prendre dans un sketch du SAV. Oui. Oui, on peut, oui. On pourrait la prendre. Vous allez le faire. Oui, on va le faire. Ouais. Bon alors, vous dites souvent dans le SAV, tu viens plus aux soirées, ah, c'est mon voisin Alfred qui le fait bien, lui bon, il imite bien les gens, alors il fait souvent tu viens plus aux soirées, enfin il le fait mieux que moi. Alors vous jouez aussi tous les deux dans La Loi de Murphy. C'est un beau film, ça. C'est un sacré acte. Il y a un sacré film là derrière tout ça. Bah il y a un film surtout derrière ça. Il y a une scène où il y a plein de monde dedans. Oui, parce que oui, c'est la scène du film. Hein. Scène culte. Un sacré arrière-plan. Oui. Mais c'est une trouvaille, ça, c'est une vraie trouvaille ça. Ouais, ça c'est. Alors, c'est pas à confondre avec Eddie Murphy. Non. Ou Eddie Commandement. Ah oui, c'est vrai. Très bien, voilà. Non, ouais, c'est pas forcément. C'est une nouvelle Black et Decker, ça. C'est ça? Ouais, tu l'aimes pas. Qui? La blague. Black et Decker? Non, tu l'aimes pas. Moi, c'est vrai que celle Eddie Murphy dit commandement, je suis moins fan. Je suis moins fan, mais par contre, mais Black et Decker, j'ai même rebondi, c'est quand même un signe d'affection, quoi. Pourtant, quand j'ai dit il dit commandement, quand je l'ai dit, enfin, juste après que j'ai dit, toi, tu lui as dit oui, c'est pas mal. Ouais. Bah, c'est que t'aimes bien quand même. J'aime moins que Black et Decker. Fred, au moment du Black et Decker, j'ai bien aimé. Il y a eu un rictus. En fait, maintenant, je me dis que j'ai bien aimé, finalement. Il y a eu un rictus sur Eddie Murphy. Lui, il a aimé. Est-ce que tu peux faire un nouveau rictus? Parce que je suis pas sûr qu'au montage, on l'ait. Ouais, merci. Même si c'est contractuel, pourquoi tu l'aides pas? Pourquoi t'aides pas Fred maintenant à percer dans le cinéma? Ouais, ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais parce qu'il a fait percer ce Black et Decker. Et hop! Reviens, la boucle est bouclée, voilà. on y est, alors qu'est-ce que je t'avais dit, j'adore, la boucle est bouclée. J'aurais pu dire pourquoi t'aides pas Omar à percer dans le cinéma, c'était juste pour... Et toi t'aurais dit? Bah, parce que j'ai pas de perceuse. Et voilà, la boucle est bouclée. Check-moi ça. Bien joué Fredo. Merci. Et quand même, sur People for Cinema, qui est un site de cinéma, c'est quand même bien de parler avant tout de cinéma. Les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est d'abord le cinéma. Pourquoi? Et c'est ce qu'on a fait là, c'est conversation à bâton rompu. Mm. C'est intéressant parce que tu peux, toi, poser des questions, nous répondre, et puis vraiment... à la question d'il y a 10 minutes.
C'est là... Et on a quand même réussi à avoir un lien dans tout ça. Toi, t'as fait un effort, je veux dire, vestimentaire, etc. Je crois que tu vendais des pomelos, toi. C'est-à-dire que c'était le produit qui est apparu moins cher que le pamplemousse. Laisse-moi parler là-dessus. Tu me laisses parler là-dessus. C'est là que t'es apparu dans les médias, toi. Sur les pomelos. Un produit moins cher que le pamplemousse. Pour essayer d'entuber le marché, t'as réussi, t'as gagné. La Costa del Sol. Et ça, voilà, Costa del Sol. Et ça, ça, c'est gratifiant parce que t'as réussi. C'est le capitalisme. Tu as jeté ta pierre. T'as pris ton créneau, et t'as gagné. Et oui, sauf que je suis désolé, je préfère le pamplemousse jaune. Bon bah voilà, moi j'ai tout. Hein. Alors si t'as tout... L'éléphant, t'as tout ou t'as... Non, ça va pas, t'as tout l'éléphant. Bon bah on va arrêter là alors. Oui, bah même on peut arrêter... Avant ? Non, juste avant. Merci. Salut, je te sers la main. Je te remercie beaucoup. Omar, merci, merci beaucoup. Merci à toi et salut. Merci Omar. Hein. Je laisse ton micro. Voilà. C'est... Très bien, merci. Tu fermeras ? Ouais, je fais un... Bon bah... Voilà. Super intervieweur, super intervieweur, les super interviews, c'est lui.